Donc, problème ici dans la mise en page que je viens de remarquer. Le bloc texte 3 colonnes qu'on avait été testé, il est recouvert par la numérotation automatique. Donc, deux solutions. Soit je remonte le bloc texte. Bon, il faut que je déverrouille le calque qui le contient et je le remonte. Voilà. Il est en dehors de la numérotation. Mais je ne vais pas faire ça, j'annule. Parce qu'il y a évidemment une autre solution. C'est de retirer le numéro. Alors, le numéro est sur le calque numérotation, on l'avait mis là-dessus, je vais verrouiller les autres. Alt-clic sur le petit carré ici. Ceci, vous ne le faites pas nécessairement parce que vous n'avez pas nécessairement le problème. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est regarder. Est-ce que vous savez comment je peux supprimer le numéro qui vient du gabarit? Donc, c'est dans le gabarit la numérotation, on l'avait mis dans le gabarit. Est-ce que vous savez comment je peux supprimer un des numéros sur une des pages? Bon, vous vous souvenez, au début de la création de ce document, on avait créé des blocs texte dans le gabarit et on les avait déverrouillés sur les pages par un système. Eh bien, il faut utiliser ce même système sur les numéros qui nous posent problème pour pouvoir les sélectionner et les supprimer quand ils interfèrent avec une image ou avec du texte comme c'est ici. Et ça, si vous regardez un magazine, vous n'avez pas des numéros sur chaque page nécessairement dans les magazines. Là où il y a des publicités, là où il y a des pleines pages, vous n'avez pas nécessairement le numéro. Ils les ont enlevés. Donc je vous rappelle comment il faut faire. C'est CTRL majuscule et cliquer. Commande majuscule sur le Mac. CTRL majuscule sur le PC. Cliquer. Ça déverrouille la numérotation. Touche suppression. C'est supprimé. Donc sur cette page-là, pas de numéro. Je peux le faire également sur les pages qui montrent des images pleines pages. Voilà. Pour qu'on profite bien de l'image, on n'a pas besoin d'avoir des numéros partout. Si la personne voit que la page de droite ici est la 9 et la page de droite précédente la 7, ben forcément celle-là c'est la 8. Voilà.